Bon, on est donc en gros sur le port. Sur le port avec entre Hutch le lapin et Gromit le chien et du coup qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc si je regarde dire, au niveau de la carte et que je regarde par an, je veux dire au niveau des ports, en termes des missions, bon, t'as ces deux messieurs là qui s'occupent plus si tu veux du côté voilà. Et en gros donc t'as ces deux messieurs qui sont ici, par exemple un sur l'île et l'autre qui... Enfin, il y a elle qui sont sur le port, c'est là où on se trouve à côté. Par contre, t'as lui qui se trouve carrément juste qui se trouve à l'autre bout. Et sinon après, t'as les deux gardiens qui sont là. Ok. Bon, et continuons. Notre expédition. Cela tout se Lego Secret, on l'a pour l'épisode sur Wallace Gromit et le mystère de l'Alpago sur PS2. Adapté bien sûr du film éponyme du nom. Oh, homonyme. Bon allez, on y va. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Welcome to the Grand Pavilion. There's lots of games to play inside. Why not have a go? The games available today are... Ok, attrape-taupe, qu'est-ce que c'est? Attends, attrape-taupe. Ok, donc là c'est la zone à mini-jeux. See you fancy your chances at whack-a-mole. The rules are simple. Whack as many moles as you can within the time limit and win a card. The score to beat is 90 points. Ok. Ok, je vois, c'est un truc comme ceci, oula. Ça va être horrible. Hop. En fait, combien de top donne, si tu veux, de points en fait? J'avoue que je sais pas trop. Allez hop. Non, loupé. Pas envie de monte. Voilà. Et hop. 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 Et c'est bon, c'est tout. Du coup, j'ai fait combien là? 63? Non, attends. 60. 60! Mais comment tu fais pour essayer de taper sur toutes les taupes qu'il y a là? Ok, je vois. Donc, ici, c'est une zone à mini-jeu. Ok, ça vaut au moins d'être clair. Donc, du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait normalement par la suite? Ok, donc là, c'est la zone à mini-jeu. Mais comment tu veux essayer de faire un emploi sur les taupes? Alors, attends, si je regarde au niveau de la carte, donc t'as elle. Alors, lui, aucune idée comment je fais par entre là, mais il doit se trouver carrément sur une sorte d'île. Et là, ensuite, c'est pour rentrer. Ok? Mais attends, laisse-moi quand même explorer. Laisse-moi explorer. Y aurait-il des choses ici que j'aurais oublié par hasard? Parce que là, j'avoue que je sais pas par an qu'est-ce que j'aurais peut-être oublié ou passé à côté. Parce que là, j'avoue, après, c'est que pourtant on est allé dans le port, ok. Normalement, le pingourou doit se trouver si tu veux quelque part par là. Du coup, pourtant, on a récolté des pièces. Attends, c'est quoi là? Alors, d'attente, tente une volée sautée. Ok, c'est quoi ça? Ça c'est une barque. Et que j'ai pied à l'air. Je vois vraiment pas tout ce que ça peut servir. Alors voyons voir, y a-t-il autre chose tout de même? Voyons voir, voyons voir. Non, non, non. Bon, ok, RS. Voyons voir. Qu'est-ce que je peux y foutre? C'est pour faire une glissade. J'ai l'impression que je sais pas tout ce que je pourrais faire. En gros, t'as normalement le truc là où t'as le défi, où c'est pas le jeu des taupes. Mais attends une minute, j'en ai pensé, mais il y avait pas un monsieur qui se trouvait quelque part vers le potager. Qu'est-ce qu'il veut? Ok. Et donc, du coup, attends. Ok, j'ai récolté des pièces, mais comment tu fais pour... pour monter tout là-haut? À un moment donné, il faudra une sorte de corde. Une sorte de corde. Mais comment... continue... Alors, laisse-moi voir. Qu'est-ce qu'il y a sur ce bateau, limite? J'ai l'impression d'avoir pas exploré ou seulement passé à côté.
Hop. Non, c'est là où je venais. Là, c'est le port. Attends. Hop, hop. Toujours faire double saut. Double saut, c'est important. Je vois pas trop à quoi sert ces cloches. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On sort? Bah, j'avoue, je vois pas trop. Hein. Parce que, à part que t'as le truc du jeu d'arcade. Du jeu d'arcade, faut faire vraiment un truc de 90 points. Mais sauf que. Comment tu fais pour avoir, je veux dire, ces 90 points? Du coup, qu'est-ce qu'on fait? À mon avis, je crois même que je vais peut-être en profiter pour retourner au quartier. Enfin, plutôt dans le village, la ville, ce que tu veux, mais dans le quartier. Et passer en mode jour pour voir si des choses qui ont été débloquées. Et que si, j'ai dit si, si, on va dire si, je dis si, si le passage par entre là, donc il est ouvert, on va peut-être pouvoir y aller en mode Wallace. Alors juste pour rappel, je crois que c'est par ici, ville basse, et je crois qu'après normalement il faudra remonter un peu par là-haut. Enfin par en haut. C'est vrai que t'as ceci à côté, mais je préfère faire un peu autrement. Bon alors voyons voir. Donc normalement, donc juste pour rappel, donc en gros le Apargaro est passé par le port. On a fait un peu faire tout ce qui est un peu entre mini-jeux, ceci, voilà. On a ouvert le port, mais après je vois pas tout ce que je peux faire normalement par la suite. Je sais pas si c'est un truc où tu dois basculer ensuite le jeu pour voir si ça débloque quelque chose, mais possibilité, mais d'abord attends. Retournons, je peux dire, dans le quartier et voir par là s'il y a quelque chose qui va être débloqué. Et d'ailleurs, je voudrais aussi y penser. Il faudra que je pense à entretenir mon légume. Mon légume. Du coup, on remonte. Et allons par là, lui. Oh non, je ne peux pas te passer. Besides, you should be helping out on the allotments. Look out, here I come. Ok, donc là je peux pas sortir ici. Et donc, du coup, là aussi je peux pas non plus sortir. En gros, c'est quoi? T'as accès à une nouvelle zone et tant que t'as pas tout résolu, tu sortiras pas, c'est ça? C'est pareil. They're still troubling the allotments, you know. You really want to go back so soon? Oui, je veux tout de même rentrer. Tout de même. Et voyons voir. J'avoue que je vais peut-être profiter pour entretenir, je peux dire, mon. Bah, déjà de 1 mon légume. Et ensuite, dès que c'est fait, on passera au mode jour. Et comme ça, on retrouvera notre ami Wallace. Et peut-être voir avec lui par exemple s'il peut y avoir des choses à faire par exemple sur le port. Mais d'abord, est-ce que ça déclenche un truc en particulier? Comme par exemple une cinématique. Ça charge. Ça devrait plutôt tarder. Ok, on est rentré ici. Tant que j'y pense. Tant qu'à prendre des pièces ici. Attends. Hop. Et là. Hop. Voilà. Oui. Eh ben on aura des zolos des volants à la limite. Alors voyons voir, donc là maintenant on va profiter de rentrer. C'est vrai que je peux couper par là, mais on va plutôt prendre, c'est un raccourci. Hop, 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 oui. Voilà, on est ici, et normalement notre maison devait se trouver sur ce point. Parfait. Du coup... Alors, tu veux aller voir ta courge? Oui, quand même. Allons voir notre courge. Et voir s'il n'y a pas des choses que tu veux à aller correctement. Enfin, surtout aller soigner. Alors, ok, alors, déjà. En termes de chaleur, il faudra baisser. Bon, ça s'est augmenté. Il faut baisser. Donc, dans l'autre sens. Attends. Ça devrait être bon. Peu. Voilà. Ensuite, de l'eau. Beaucoup d'eau par contre. Et oula. Là, la courge, elle a bien poussé, hein. Quelle aubaine! Là, c'est vraiment une belle putain de courge, hein. Regarde-moi cette courge de beauté, hein. Voilà. Et un peu de musique. Quart de lune. Et... Non, rien du tout. Voyons voir. Est-ce que je peux aller à la serre par contre? Enfin, est-ce que je peux aller au magasin surtout?
Bah, tant que j'ai des sous, pourquoi pas profiter faire un tour aussi. Welcome, please feel free. Merci. Et donc on the shelves are many highly desirable. To examine an item, then choose what items you buy will when you want to leave. The... Would you like me to please feel free to... Oui, c'est bon, j'ai bien compris. Alors attends. Alors ça c'est 200 pièces. Moi j'ai 135. Du coup, un flacon de trahison. Un petit flacon de pousse-pousse légumes sans... Bon, allez. Please come again. Allez, je le prends quand même parce que, ben... Et du coup, il me reste 15. Ouais, ouais. Ok, bon, allez. On retourne à notre serre. Et peut-être que, par exemple, on va mettre, je veux dire, ce genre de... De potion, carrément, pour le mettre sur notre courge. Et peut-être que ça pourrait être astucieux de pousser notre légume. Hein. Parce que là, carrément, il a bien grossi. Hein. C'est une belle courge. Hein. Et hop. Et on se le met. Non, non. Bon, allez, on se le met. Alors ça, c'est une belle courge, hein. Une courge qui pousse bien. Mais bien, les PFT, qu'est-ce que c'est par contre là? Parce que là, j'ai toujours pas compris ce que c'est. Normalement, un peu de basic, ça devrait aller. Ça devrait normalement mieux aller. En tout cas, ça veut dire que notre légume, là, il est en train de bien... Il a bien poussé, hein. Alors, ces éléments de la serre peuvent être placés sur ton goût. Tu peux changer la couleur et la galerie du panier de légumes, le décor, bon, et même changer de pays. Ouais, voilà. Ceci. Bon, j'avoue que j'ai utilisé le flacon pour pousser notre légume. Mais bon, après, voilà. Mais en tout cas, si tu veux, il y a entre de l'eau et de la chaleur. Bon, allez. On quitte la serre et on retourne en ville. Et là, par contre, on va profiter de basculer en mode jour si vraiment il n'y a rien du tout, par contre, qui se fait. Mais à mon avis, j'ai bien l'impression que non. RAS. Du coup, on va profiter en gros maintenant de basculer en mode jour. Mais la plaque dorée, c'est laquelle la plus proche, par contre? Ça, c'est une voiture. Ça, je vois pas trop l'intérêt. J'ai l'impression que la plaque dorée qui est la plus proche, c'est plutôt celle-là où c'est... Non, que font les enfants dehors? Discutons un peu. Hey mister, that cloud shaped like a giant turtle. We're trying to spot the Milky Way. Can you see it? Peut-être. Voyons voir. Du coup, normalement, il y a une plaque dorée qui doit se trouver. Alors, attends. On va voir les piécettes. Et non, ça c'est le trap, donc. Ouais, la plaque dorée qui est la plus proche, c'est plus celle-là. Hein. Bon, allez, attention, on passe en mode jour. Oui, donc en gros, j'avais dit, en gros, donc on va passer en mode jour et retrouver notre ami Wallace. Et voir par exemple s'il n'y a pas quelque chose par exemple, qui va se débloquer. Cinématique, quelque chose, il n'y a qu'à voir ça. Non. Ben, j'avoue que je, après ce tournage, je vais profiter de me prendre un beau sandwich. Un beau sandwich. Alors, on va voir. Non, RS. Par contre, retourne notre ami Wallace. Bon, ok. Mais attends une minute. Là, on est donc au mode jour. On est en mode jour. Ok. Et... Ah, attends. Il y a quelque chose qui s'est débloqué. Ok, t'en as un qui est ici. T'en as deux qui sont là. Ah bah, ok, ils sont tous les deux au même endroit. Parfait. Mais donc, pendant que je suis en train d'y penser... Voyons voir. Parce que là, maintenant, je suis avec Wallace. Je suis avec Wallace. Mais est-ce que, par contre, là, je peux retourner en port en mode jour? Puisque, vu qu'on a débloqué cette zone... Est-ce que ça débloque, je veux dire, des trucs? À mon avis, oui, hein. Oui, oui, ça doit normalement débloquer des trucs. Mais du coup, quelles sont, par exemple, les missions? Quelles sont les missions, par contre? Allô? Du coup, on va ici. Ensuite, on tourne à gauche. Non, mais attends, mais comment tu fais pour essayer de récupérer ceci? Attends, j'ai peut-être une idée. Attends, hop. Alors, d'abord, je mets là. On saute. On y va! Hey man, that looks like fun. Attends. Hop.
Faut bien sautiller. Hop là. Et là, oui, c'est bon. Parfait. Près du mur. Alors attends, on va bien atterrir. Et voyons voir. On peut-on aller au port? Oh, it's you two going to Wallasey. Well, you might want to help them over at the allotments when you're there. Mm-hmm. Ok, attends, c'est quoi? Allez, rentre. Attends, rentre-t-il au potage? Est-ce qu'il faut qu'on fasse son défi du potage? Ou est-ce carrément on peut aller directement au truc du port? Ou c'est plutôt aller dans l'autre sens? Si c'est un truc pour aller directement au port, bah en soi c'est toujours la même sortie. Par contre, c'est vraiment le truc des. De son potager. Et ben en fait, c'est un truc là où c'est genre, il y a un sens qui est particulier au jour et la nuit. Au jour et la nuit. Ah, on est comme ici et. Putain, c'est infesté de lapins. Comment je fais maintenant? Comment veux-tu que je m'occupe de ces bestioles? Voilà, alors attends. Hop. Voilà. Et donc du coup, si je regarde donc maintenant au niveau de la carte, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah mais carrément, mais il y a plein de missions à faire. Et le truc du potager, je trouve ici, ok. Ok, très bien. Voiture. Toi, hop. Et hop. Ok, il y a 25 lapins qu'il faudra. Attends. On my way. Ah oui, ok, je vois, hein, carrément. On n'est pas sorti de l'auberge encore. Alors attends. Comment faire pour essayer de rapatrier tous ces lapins? Attends, tu dégages. Hop. Attends, il y a un cours de lapin qui s'est bloqué là. Voilà. Du coup, hop. Qui viennent tous par là. On les ramène bien tous ici. Ensuite, eux, on va les pousser pour les amener dans cette direction. Comme ça, ils y sont tous. Voilà, on les amène bien ici. Bien tous par là. Voilà. Et donc, comment je vais m'occuper par contre pour remonter, pour les mettre eux? Ah oui, attends. Attends, j'ai peut-être une idée. Voilà. Bon, maintenant, comment je vais faire maintenant pour m'occuper ceux du haut? Réfléchis. Comment tu fais pour attraper ceux du haut? Y a pas une plateforme quelque part? À moins que ça, c'est un sumuro. Sauf que c'est pas dans ce sens. Peut-être plus par là. Non. Mais si tu veux une planche là, c'est y a un truc particulier à faire. Réfléchis. Attends. Des piécettes, parfait. Attends, réfléchis. Comment tu fais pour monter? Forcément un truc auquel j'ai oublié, hein. Si donc j'active ce... ce panneau, ça fait quelque chose de particulier? Non. Donc là, t'as un pont ici. Comment tu fais pour monter si... Attends. Ah, ok, il fallait casser cette poutre. Bon, allez, maintenant. On monte. Attends. On refait mieux. Par là.
Toi, tu dégages, voilà. Ensuite, vous, vous descendez. Allez hop. Martelage de lapin. Et maintenant. Attends, toi, hop. Du coup, on commence. Ah non, lui est toujours là. Il est toujours là, ce petit con. Voilà, il est descendu. Et donc, hop. Hmm. Je peux pas atteindre, c'est trop loin. À moins que... Ouais. Ah bah tiens, il y avait une carte qui se trouvait ici. Mais c'est pas pour le moment, j'étais en train de faire un saut. Alors attends. Alors attends. Alors déjà, profitons qu'on est, vu qu'on est en bas, d'apporter tous ces lapins. Tous ces lapins. Enfin, ces lapins de pâte à mogli. Allez hop. Toi, hop dans le trou. Ensuite, les trois autres. Ils vont aller là. Du coup, il en reste deux. Et les deux parents, ils se trouvent carrément à l'autre. Truc qui sont... Attends. Hop, là, je vole. Hop. Pour attirer sur la poutre. Mais je remets, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Mais bon, soyons fous. Et donc, saute, saute, et vole. Hmm. À moins que, en fait, est-ce que je... Bah non, ça doit être trop loin. À moins que... J'ai dit à moins que... Hmm. Attends une petite minute. Attends. Tu vas pas me dire qu'il faut tirer sur un truc? Y a-t-il un truc que je peux prendre ici? Hmm. Attends. Si je suis passé en mode Wallace, il peut faire le sur-muro lui au moins? Bah non. Y a que par entre, je peux dire, Gromit qui peut faire. Hein. Parce que lui, il est petit et il est agile. Hmm. Ah, ok. Et là, attention, on tire. Là, hop, hop. Double saut. Et du coup, ok, je vois. D'accord. Mais attends, donc, si je comprends bien, donc, ces boîtes pesto, c'est un truc qui sert à prendre des munitions. Il faut appuyer sur RT pour souffler, et ensuite appuyer sur carré pour tirer. Thanks, Captain Obvious. Ça explique tout. Hmm. On tire. Par contre, il en faudra un troisième et dernier pour voir ce passage au complet. Du coup, hop, hop. Attendez, je me gratte le nez pendant 2 secondes. Voilà, on reprend. Ensuite, on y va. On tire. Et normalement. Alors voilà, déjà, une affiche. Par contre. Il est où le. Il était là le dernier. Alors attends, la caméra quand même. Alors attends. Bonjour ce lapin. D'abord, sortons-le d'ici. On le sort. Et où est-ce qu'il est? Attends. Laisse-moi le prendre. Ok, l'autre, il est là. Allez, hop. On le fait déplacer jusqu'à la bouche d'égout. Bon, c'est temps. Hop, et hop. Et voilà. Et on a gagné une carte. Parfait. Parfait, parfait alors. Du coup. Alors attends. Du coup, voyons voir alors. Ok, donc ça débloque de nouveaux trucs, mais qui sont plus, je veux dire, des sortes de missions en soi. Parce que ça ressemble plus à des trucs de mission. T'as une ici, t'as une là, 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 t'as une ici. Par contre, t'as bien un truc de potager. Et lui, à mon avis, c'est pour le potager. Hein. Dans notre ville. Attends, Grivesley. Ensuite, t'as le truc du centre-ville et t'as le truc du potager. Ok. J'arrive quand même. Ok, mais littéralement, en gros. Donc, il y a clairement des lits ici, tout ça. Bon, alors, eux, ils sont relous. Allez, hop. On est mis ici. Toi, hop. Tu dégages. Qu'est-ce que je peux y faire, alors? Parce que j'avoue, en soi, c'est que... J'ai bien dit, c'est que... Ok, donc là, on a d'autres, je peux dire, missions annexes. Mais je crois que je ferais ça plutôt, je peux dire, pour le prochain épisode. Parce que là, ok. Mais en tout cas, on a débloqué les docks. Du coup, ce que je pourrais faire plutôt pour cet épisode,
C'était d'y voir parents, je veux dire, enfin parents, ce truc qui était bloqué tout à l'heure qu'on pouvait pas rentrer. En gros, qui était en gros, si vous voulez, un peu normalement, qui est la dernière mission de... La dernière quête annexe du centre-ville. Ouais, donc ceci est carrément, on va carrément profiter de le faire et enfin, je veux dire, découvrir enfin ce nouveau lieu en soi. C'est un merde de Dieu. Non, et après, carrément, voilà le topo, hein. Voilà le topo. Et non, pour finir, carrément, voilà un peu, je peux dire, au niveau du point. Hein. Du point. Oui, découvert, je peux dire, enfin, ce lieu qui était bloqué par un cadenas que tu pouvais pas crocheter ou ouvrir, mais que vu que maintenant on a la pince pour ouvrir, et du coup, on va pouvoir maintenant, débloquer. Enfin, on a pu débloquer, ce lieu qu'on pouvait pas. Donc, du coup, on va pouvoir maintenant voir ce qu'il y a là-bas et faire enfin, cette dernière mission qui se trouvait par là. Alors, donc, je remets que de mémoire, il faut pas aller, au centre-ville. Du coup, on revient donc par là pour aller au centre-ville. Aller ensuite sur la place du marché pour ensuite carrément passer par l'ouverture qui se trouvait. Bonjour monsieur. Donc c'est carrément donc on passe par ici. On redescend. Donc là on est normalement sur la place du marché. Et du coup c'est par ici. Et donc normalement l'ouverture elle est carrément ouverte là. Voilà. Alors attends juste que je check quand même. Non, rien du tout. Des crackers, je vois pas la peine de voir. Allez, on entre enfin. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Une porte. Ok, un truc jour-nuit, d'accord. On a un petit poton. Ah, et là on a tout ce qui est par entre l'eau. L'eau. Une poubelle, madame. Alors t'as lui qui est là, je sais pas tout ce qu'il veut. Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a alors? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, là on dirait une sorte de pont en soi. Alors attends. Qu'est-ce que c'est ici? Laisse-moi récolter, je peux dire, les piécettes. Mais bon, ok, en gros, t'as de l'eau. Attends. Hop là. Alors du coup, hop, je saute sur le rocher. Quand même. Et allons baisser ce pont. Voilà. Comme ça maintenant, on va pouvoir maintenant traverser sans souci. Et peut-être que la fourgonnette pourra pouvoir passer. Je vais dire la fourgonnette. Du coup, alors déjà, qu'est-ce que c'est ce chemin qui va ici par ce petit tronçon? Alors attends. Ok. I'll hit them off at the pass. Boo. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette volaille? Ah attends, c'est une volaille qui tire des œufs. Ok, très bien. Bon, on aura bientôt noté alors. Mais du coup, attends, il mène où ce chemin? Donc t'as un gros mur de briques qui se trouve ici, ok. Qui rentre pas par là. Tockington Hall. Ok, donc là on se retrouve normalement en accès pour aller à Lady Tockington. D'accord. Et si je vais donc par là, c'est là où je remonte et on a accès à un nouveau potager. Attends quand même. C'est assez suspicieux. Alors non. Ah mais attends. Mais c'est le marchand. Attends. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Allez hop. Alors j'ai rien compris carrément. Qu'est-ce qu'il veut que je foute hein. Alors attends. Non. Non. Du tout. Là ça met une sorte de grotte. Un grotte, ok. Enfin une grotte. La grotte du Cowbong. Ok. Non mais attends. Mais il y a trop de niveaux ici. Qu'est-ce que c'est ce lieu-là?
J'ai pas souvenir qu'il y a ça dans le film, non? Ou à part que c'est une sorte de planque ou easter egg, mais j'ai pas souvenir normalement qu'il y a ce genre de truc dans le film. Ou attends, n'allons pas trop loin, attends. Demi-tour, sortons voir quand même, et allons voir quand même ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut, ce Happy Biotechnic? Quoi? Danger électronique et défense d'entrée. Ouais, bon, en même temps, là, j'avoue que quand tu vois une grosse machine comme celle-ci, tu te poses des questions. Et donc... Et donc, du coup, si je regarde au niveau de la carte, donc, c'est là où je me trouve par an pour Monsieur Clanky. Qu'est-ce qu'il veut alors? Ok, donc il y a 8 poules qu'il faut essayer de les choper. Mais attends. Laisse-moi comprendre. Tu veux que je les jette où par contre? Là, c'est plus un truc qui est pour le bétail. Mais tu veux que je les jette où tes poules? À l'intérieur ici? Peut-être alors. Alors, il dit qu'il y a 6 poulets qui sont éparpillés dans la forêt. Du coup, il faut essayer de les trouver. Genre, t'as un poulet ici. Et donc, du coup, je vais le ramener au poulailler. Oui. Hop. Je suis toujours genre à tirer un œuf avant de sortir le poulet. Alors, attends quand même. Du coup, là, si je vais pas là, c'est là où je remonte. Ok. Mais attends, il y avait pas un poulet que j'ai découvert un peu par hasard, mais qu'en fait, là, je l'ai un peu, je veux dire, laissé divaguer. Alors, attends. Où se trouve alors ce poulet? Ah oui, il y a un passage qui est ouvert ici. À mon avis, c'est là où j'étais. Mais est-ce que ce poulet, il a repop? Attends. Hop. Ah, si. Il était déjà sorti. Alors, attends. Du coup, je prends ce poulet et je vais le rapporter. Ok, ça pique tout. Alors, ok, t'as un truc de bois ici, ok. Mais d'abord, attends. Laisse-moi aller le rapporter. Oh, ok, donc là, on a découvert cette nouvelle zone et j'avoue que je suis un peu surpris. Sacrée découverte. Du coup, là, normalement, ça fait un total de 3. Ça fait normalement un total de 3. Donc là, on est à la moitié. Puis du coup... normalement, je crois bien que le quatrième, c'est là où j'étais avant. Alors, du coup, attends. Remontons voir. Je me dis, remontons voir. Et voyons voir donc ce qu'il y a par là. Le poulet! Allez hop. Le poulet. Je te regarde juste. Non. Non, RS, ok, donc là, on a donc normalement le quatrième poulet. Enfin, non. Pour cette fois-ci, je te laisse tirer le poulet. C'est non. Non, attends, c'est pas, je sais. Non. Pour cette fois-ci, je te laisse couvrir le poulet. Et hop. Donc là, ça fait un total normalement de 4 poulets. Et normalement, ils se trouvent où alors le reste? Non, je pense pas qu'ils se trouvent vers la flotte. Du coup, on a un qui était un exemple, donc du coup, normalement... Il doit y avoir normalement d'autres poulets qui doivent se trouver dans les horizons. Donc, sûrement quelque part. Attends, quand même, laisse-moi checker. Non, pas possible. Alors, attends, laisse-moi faire demi-tour alors. Parce que s'il y a un poulet. Enfin, où sont maintenant les deux autres poulets? Y aurait-il pas un que j'aurais laissé quelque part par ici, par exemple? Mon sauce, ça m'étonnerait beaucoup, mais bon, voyons voir. Alors, voyons voir où il est ce poulet. Où est-ce qu'il est le poulet? Alors, je vérifie tout de même, mais à mon avis, non. Je pense pas qu'il a vraiment mis un poulet par ici. Il dit que c'est dans la forêt, donc normalement, c'est normalement ici. Je pense pas non plus que ça soit dans la flotte. Du coup, normalement, donc, le poulet doit se trouver quelque part. Mais après, pour le chercher, alors là, bonne chance, hein. Parce que parfois, les poulets peuvent vraiment être, mais camouflés.
C'est lui qui est dans la réparation. Non. Réfléchis. Si je regarde par là. Non. Non. Bah attends. Laisse-moi voir ce qu'il y a par là. Là, il y a un trou. Là, t'as lui. Il va sûrement pour une quête en soi. À mon avis, il pourrait y avoir un poulet caché ici. Voyons voir l'auteur. Ah bah, toujours d'y penser, mais... C'est qu'à pas oublier, faut sauvegarder. Alors attends, je vais profiter de sauvegarder. Comme ça, au moins, je perds pas tout, j'en commence pas tout non plus. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a alors par ici? Attends, hop, hop. Non, je peux carrément pas monter. Ça va par là. Non, pas du tout. Non, rien du tout. Donc là, clairement, je trouve. Il y a du tout à part. C'est une entrée. Ça cache quelque chose ici. Non, il y a un poulet que j'ai récolté, il était ici. Mais d'abord, attends. Ça, c'est celui qu'on a ouvert. Mais voyons voir. Il y aurait été petite par contre un autre poulet qui aurait été garé ici. Enfin, égaré surtout. À mon avis, je pense pas trop. Ici, c'est plus pour le truc des lapins. Non, 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 non. Et non. Donc, que dalle. Je vois très bien. Non, non. Bon, du coup, ok. Alors, donc, juste pour rappel. Donc là, normalement, on a un chapitre. Normalement, c'est les 4 poulets qui sont ici. Sauf qu'il en reste 2. Sauf que ces 2, là, je sais pas trop où ils sont. Enfin, surtout, où ils sont-ils planqués? Du coup, ce que j'avoue, c'est que j'aurais été de faire une ellipse. 12 seconds later. Attends une minute, ça passe. Attends. Attends, attends. Ça te dit quelque chose, ça? Ou attends, c'est-à-dire qu'en gros, il y a un poulet qui pourrait se cacher en hauteur? Ou c'est un raccourci? Ok, t'as lui qui est là. Ah, non. C'est pour le kart et je vole. Et hop, à moi ceci. Et ok, suis le canal. Ok. Alors j'avoue, RAS. Et d'abord, attends. Ah bah tiens. On a un 5e. Mais attends. Il veut dire quelque chose, lui? D'accord, ok. Ok, donc là, j'ai trouvé donc, en gros, le 5e poulet. Le 5e poulet, mais attends, mais comment je vais prendre pour essayer de le rapporter? Bon, je n'ai pas d'autre choix, il faudrait que je fasse le détour. Mais bon, ok, donc là, on a vraiment le 5e poulet. Allez hop, le 5e poulet. Tu rentres à l'intérieur. Bon, par exemple, qu'est-ce que tu fous ici? Qu'est-ce que tu fous ici? Tu restes à l'intérieur. Ah, ok, c'est comme ça, il faut les remettre dans le poulet, carrément. Hop. Alors, attends. Profitons de bien les mettre dans le poulailler, alors. Voilà. Allez hop. Du coup, il se trouve où l'autre? Ah, justement, je l'ai vu. Alors, attends. Attends, attends. Voilà. Et maintenant, on peut qu'à trouver ce dernier. Mais bon sang, où est ce dernier? Allez, ellipse. Attends, attends, j'ai ma petite idée où se peut se trouver ce dernier poulet. Et bien, en fait, tu montes ici, hop, et tu voles. Et le dernier poulet se trouve ici. Ok. Le dernier poulet se trouve là, mais attends. Non. Hop. Mais attends, laisse-moi voir ici, mais... Attends. Je peux vraiment pas casser ceci, et... Je crois bien que j'ai envoyé le poulet vers les planches. Ok. Non, oui. Il y aura par exemple un gameplay où on va par exemple jouer Wallace... Wallace en Apagarou. Bon, très bien. Donc là, maintenant, j'ai enfin de retrouver le 6e et dernier poulet. Ça, ce qui est réglé. Donc, du coup, maintenant, on va plus qu'envoyer, je vais dire, bah, à l'intérieur du poulailler. Du poulailler,
Du coup, on va ici, on se rabat sous la gauche. Et on va déposer ce dernier poulet, le sixième, dans cette cabane. Et après, peut-être qu'il va nous donner par entendu une carte, hein, ou des informations. Parfait. Well done. Mr. Grobag's chickens have all returned to roost. No need to mention it to him. Here's a card for your troubles. Et du coup, cette carte. Toutes les poules de Grenoble ont été ramenées. Bonne nouvelle en soi. Et donc, du coup. Ouais, donc, du coup, on se trouve ici. Et enfin, donc, sa mission, elle est faite. Elle est faite. Et donc. Il reste donc plus que celui-là. Celui-là qui se trouvait par contre à l'autre bout de où j'étais avant. Bon, attends. Je sais ce que je vais faire. On va plutôt se rendre sur le lieu. Ben, par contre, on va s'arrêter par contre sur le lieu là-bas pour cet épisode. Et comme ça, dans le prochain épisode, on y mara pour cette mission. Et peut-être que par contre, là, une fois que c'est fait, et ben, enfin, je peux dire un petit tour dans le port. Dans le port. Et ok, donc enfin, j'ai pu faire la mission qui manquait carrément tout début du jeu, que tu pouvais pas accéder et que maintenant tu l'as enfin ouvert et donc c'est ici. Je remarque que c'est soit lui ou lui. Enfin, c'est entre l'un des deux. Du coup, on va plutôt se mettre ici. Je vais zoomer. Du coup, on va quand même re-sauvegarder. Sauvegardons tout de même. Oui, quand même. Quand même. Et du coup, parfait. Et du coup, on s'arrête là. Voilà. C'est la fin de cet épisode. Donc, sur Wallace et Gromit et le mystère de la Bagarou sur PS2. Like, commente, partage, abonne-toi, clique, cloche, Instagram, Twitter, TikTok. Bon, allez, moi je vous dis une chose, c'est tchuss. Et donc, du coup, bah, pour le prochain épisode, on va voir un peu ce qu'il veut ce monsieur carrément. S'il a pas, genre, je sais pas, un problème ou des trucs à récolter. Mais à mon avis, c'est encore pour une mission annexe. Hein. Bon, allez, tchuss.